Bonjour à tous, voici la Minute du Bonheur. Et aujourd'hui, la véritable compassion. Ceux qui seraient tentés de juger que vous ne les plaignez pas suffisamment doivent se sentir réconfortés par votre présence. Entouré par vous de pensées créatrices de joie, à tel point qu'ils en ressentent immédiatement les bienfaits. Votre connaissance des lois du bonheur, de l'amour vrai, des forces spirituelles qui dirigent les mondes vous donne dès maintenant un droit d'aînesse sur ceux qui les ignorent. Servez-vous-en pour les aider efficacement. Si vous ne pleurez pas avec eux, c'est afin de les sauver avec vous. La mère dont l'enfant tombe ne se met pas à sangloter et à crier à l'unisson. Elle va chercher de quoi le panser. De même, ne partagez point l'affolement des affolés, le désespoir des désespérés. Tendez-leur une main ferme, d'autant plus secourable que vous vous maintiendrez, vous, en contact avec votre moi réel, et que vous les aiderez à s'orienter vers l'esprit en eux, l'esprit qui guérit, qui aime, qui nous comble de ses dons. Ce n'est pas rétrécir le champ de notre sensibilité que de renoncer à contempler le côté négatif de la vie. C'est sortir de nos limitations pour voir apparaître des horizons sans bornes, pour nous et pour tous. Application. Que nul ne vous approche aujourd'hui sans se sentir réconforté. Allez, bonne journée amis auditeurs et à demain.